vendangeurs dans les Chambolles-Musigny. Alors, je sais pas où ils sont, il y a plusieurs équipes parce qu'à Chambolles on a 11 parcelles et il y a 50 coupeurs. Donc là, il y a une première équipe qui est dans cette parcelle de Chambolles qui s'appelle les Badois. Donc les Badois, c'est juste en dessous des Audois, les Audois qui est un premier cru. Donc nous, c'est un village, c'est juste là. Et c'est également juste en dessous des Amoureuses. Mon grand-père m'a appelé quand j'étais juste avant de passer le bac et m'a dit, écoute, je suis un peu fatigué, j'aimerais que tu viennes m'aider en Bourgogne. Donc moi, je vivais à côté de Reims à l'époque. J'étais au lycée à Reims, je connaissais rien du tout sur les vins. Et je connaissais très peu la Bourgogne, je connaissais personne ici. Et finalement, je suis arrivé en 2006. De 2006 à 2008, j'ai étudié à l'école de viticulture à Beaune. Et puis 2008, voilà, premier millésime. Et c'était un challenge assez important, un peu stressant. Ouais. En 2008, j'avais 20 ans, premier millésime, ça fait un peu jeune. Le domaine a été créé en 64 par mes grands-parents. Udelot, c'était mon grand-père, Noëlla, ma grand-mère. Ils se sont mariés et ont créé le domaine Udelot-Noëlla. Donc chacun venait de famille de vignerons, mon grand-père de Chambolles, ma grand-mère de Vaune-Romanée. Ça a sauté une génération, mes grands-parents ont eu deux filles qui n'interviennent pas pour le moment dans le domaine. Donc le plus important, c'est de continuer, voilà, ce que mon grand-père a entrepris.